Bonjour et bienvenue à Kino TV. Durant la prochaine demi-heure, vous serez transporté dans l'univers du court-métrage avec un bloc spécialement dédié à des réalisateurs amateurs. Nous vous ferons par la suite découvrir différents aspects du cinéma avec la chronique Découverte artistique. L'équipe Kino TV a donc sélectionné pour vous des courts-métrages diversifiés qui proviennent des quatre coins du Québec. Prêt pour votre dose de cinéma? Karine Boulian est la réalisatrice amateur du film La vie de Marc et elle est avec nous. Donc, bonjour Karine. Bonjour Marilyn. J'aimerais savoir premièrement ton expérience dans le domaine du court-métrage. J'ai fait plusieurs courts-métrages dans le cadre d'activités scolaires et j'ai aussi aidé mes amis qui faisaient partie de Kino aussi pour la caméra, pour leur film. Puis ensuite, j'ai passé à la réalisation. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce domaine? Moi, ça serait vraiment la caméra parce que j'aime beaucoup l'image, la texture, l'éclairage, etc. Donc, quand je réalise, il faut absolument que je vois ce qui se tourne. Donc, il faut vraiment que je sois collée à l'image. Et tu as donc plusieurs films à ton actif. Souvent, tu traites de thèmes différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu choisis ces thèmes? Bien, en fait, je me pose beaucoup de questions, puis j'essaie de répondre à ces questions-là en faisant des films. Donc, ces sujets sont pris par les questions que je me pose sur le coup du moment. Donc, voilà. Pour le sujet de La vie de Marc, quelle a été ton inspiration du domaine de la drogue? En fait, ça a été plus... c'est plus une remise en question. Je voulais essayer de faire comprendre aux gens qu'il faut voir nos priorités, mettre nos priorités au bon endroit. Comme par exemple, Marc passe son temps dans la drogue, il ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre sa famille, mais pas ses priorités au bon endroit. Donc, c'est ça que j'essaie de faire passer. OK. On va aller voir ça. On va aller voir ton film La vie de Marc à l'instant. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de ne plus y penser. Bienvenue dans le film de ma vie. J'en ai pas assez de faire le film sur ma vie que j'ai même pas le droit de filmer. Ben, étant d'existence, et de quoi je suis capable de me rappeler?
Je me rappelle que je faisais pas le ménage. Elle, c'est Eve, ma blonde. Elle aussi, je l'ai abandonnée. Comme moi. Ben, c'est pas le plus grand des chefs-d'œuvre, mais c'est le film de ma vie. De retour avec Karine Bouliane, on peut parler un peu plus de l'aspect technique de ton film. À un moment, on voit le contre-jour utilisé avec Marc. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce choix de plan? Oui, bien en fait, je suis une grande improvisatrice. Tout ce que j'avais pensé dans mon setup d'éclairage, c'était un spot. Quand on est arrivé sur l'endroit, ben on s'est rendu compte que notre personnage n'était pas assez découpé. Et quand on a ouvert le projecteur, on a vu que ça donnait quelque chose de magnifique. Donc, ça a vraiment été sur le coup du moment qu'on a pu arranger ça et mettre ça à notre goût comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres scènes que vous avez peut-être dû supprimer ou arranger en conséquence de ce qui arrivait? Non, en fait, c'est plutôt une scène qu'on a dû enlever. On voulait tourner un plan de Marc dans un lit d'hôpital qui venait de faire justement une overdose avec sa blonde à côté de lui. Mais vu qu'on n'a pas de budget, pas d'hôpital proche, on n'a pas pu la tourner. Fait qu'on est allé avec les moyens du bord en essayant de faire comprendre aux gens qui étaient dans une overdose, là, qui étaient dans le coma. Et la sélection de Marc, l'acteur principal, comment ça s'est passé? Bien, j'ai écrit le personnage de Marc pour un de mes amis parce que je trouvais qu'il avait la gueule de l'emploi. C'est un homme qui a l'air un peu intello, puis je voulais montrer aussi par ça que c'est pas nécessairement ceux qui sont dans la rue qui sont des drogués, tu peux en avoir de tous les genres. Donc, je voulais enlever ce stéréotype-là. Est-ce que tu vas continuer dans la même ligne de tes thèmes pour ton prochain film? J'y vais comme l'inspiration me va, donc je pense que le prochain film, ça risque de traiter un peu du somnambulisme ou quelque chose du genre. OK. Puis aussi, j'aimerais parler, en tant que femme, comment tu perçois un peu l'univers du court-métrage, puisque c'est un univers d'hommes? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétitions hommes et femmes, mais je pense que chacun a sa place, puis chaque personne a une vision différente des courts-métrages et de la technique. Je pense que tant un homme ou une femme peut faire de très bons films, donc... Est-ce que tu penses que tu dois faire ta place un peu à travers les autres? Est-ce que c'est une difficulté? Non, moi, je pense que ça va y aller avec... T'es bon, puis tu donnes, donc je pense que ça va y aller comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Félicitations pour ton court-métrage. Donc, ce qui suit à l'instant, c'est la chronique Découverte artistique.